Un extrait de son nouvel album, la chanson s'appelle Je reste. D'Amel, Délit mineur. Merci beaucoup et merci d'avoir adapté la chanson avec les chœurs gospel aujourd'hui. Est-ce que ça t'a plu de chanter avec les gospels sur ce titre? J'adore ça, ouais. Vraiment. Et puis j'ai commencé comme ça en fait. Dans on m'a demandé souvent si j'avais pris des cours de chant. J'ai dit non, j'ai pas pris de cours de chant. Par contre, j'étais dans une association de gospel qui s'appelait Gospel Attitude et j'ai fait ça dès l'âge de 11 ans. Et ça a été la plus belle école, la meilleure, parce qu'on apprend en s'amusant avec les autres, avec la générosité, le partage. Ouais. On peut pas être en avant, en fait, puisqu'il faut, on ne se trouve qu'à travers les autres, à travers la voix des autres. Et voilà, pour moi, ça a été la meilleure école. Vraiment apprendre à écouter les autres. Est-ce qu'il y a un extrait d'un chant gospel que tu as envie de nous chanter ce soir, qui serait un petit peu ton gospel préféré? Moi, j'aime énormément de chants gospel, puis j'en connais plein. Ouais. Mais c'est vrai que quand on m'a proposé justement, quand on m'a dit que j'avais la chorale avec moi, il y a une chanson que j'ai toujours
enfin je rêvais de chanter cette chanson, pardon. C'est, je suis sous le coup de l'émotion, attention. Et donc c'est Alléluia de Jeff Buckley, enfin de Leonard Cohen. Ah oui. Et voilà, je rêvais de chanter cette chanson avec une chorale et voilà, et vous avez accepté et vous réalisez un peu un rêve. I've heard there was a secret chord that David played when it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And it's not a cry that you hear.